Monsieur le Président, pour l'historique, je remercie notre collègue Joël Garriaud-Maylam de l'avoir rappelé. Monsieur Chantrel, écoutez, mon cher collègue, il y a une différence, effectivement, que je ne méconnais pas, entre l'enseignement français et l'enseignement du français. Et donc, FLAM, c'est l'enseignement du français. Et c'est très exactement la mission qui est celle de l'Institut français et des alliances françaises. Donc, je persiste à penser que, effectivement, les écoles flammes seraient mieux si leur développement serait mieux assuré si c'était dans le cadre de l'Institut français. Et je les méconnais d'autant moins que quand on a lancé le plan école au Royaume-Uni, on a fait passer le nombre d'associations flammes de 15 à 50. Et je connais d'autant moins que j'ai même fait une proposition innovante pour leur financement, de mettre en place un chèque éducation. Et j'espère bien qu'on retravaillera et qu'on supportera cette idée dans le futur. Mais puisque j'étais au conseil d'administration de l'AEFE en 2012 et que j'ai vu arriver les flammes dans l'AEFE à cette époque-là, je me souviens aussi que le budget qui leur était alloué était de 700 000 euros et que sous le président Hollande, il n'y avait plus que 300 000 euros. Et donc voilà, le ministre propose 1 million d'euros. Il y en a qui parlent des flammes et il y en a qui font. Allez, on va rester tranquille.